Voltage, Voltage, la radio parisienne. Bah, je m'appelle Adèle Bonamour, j'ai 18 ans et je suis en deuxième année du programme Grande École de l'ESCA, c'est une école de commerce à Boulogne. Et donc tu as été sacrée Miss Île-de-France samedi dernier à damary les C'est ça. Euh, ça a été quoi tes, tes premières impressions Parce que tu avais l'air surprise en tout cas d'arriver ici avec le, le diadème. J'étais très surprise, je m'attendais pas du tout à être élue. Euh, c'est vrai que j'avais pas ramené énormément de monde dans la salle, sachant que les huit qui vont euh, en finale, c'est euh, la salle qui qui choisit, euh, qui les choisit. Donc euh, je pensais pas être dans les 8. Et ensuite, euh, quand j'ai été appelée dans le top 5 et que je voyais défiler les écharpes et qu'on ne m'appelait toujours pas, je me demandais euh, quand ça allait être mon tour. Et au final, je prenais la main de, de Julie qui était en face de moi, donc la première dauphine. Et, euh, et on a appelé mon nom. Donc. Euh J'étais très très surprise. Et alors justement, tu n'étais pas forcément favorite parce qu'à Miss Paris, tu es arrivée deuxième dauphine. Alors on s'attendait plutôt à justement ce que ce soit peut-être Miss Paris qui soit élue au final. Donc ça, ça a quand même créé la surprise à la fois dans ouais. le public mais notamment chez toi. Oui, oui, bah, au final on se rend compte que les favorites, ce n'est pas forcément celles qui sont élues. Et, euh, et je pense qu'il faut tout donner sur scène et c'est le jour J où, où, tout, se, où tout, se, tout se joue. Qu'est-ce qui fait que ta prestation a été mieux là à Miss île de france qu'à Miss Paris ah Déjà, je pense que j'étais plus à l'aise plus qu'à Miss Paris parce que forcément j'avais une expérience. Euh, peut-être le discours, il a joué aussi. Après, euh, je ne suis pas dans la tête du public, donc je ne peux pas savoir ce qui, ce qui se dit euh, ce qui se dit devant moi, mais je pense que peut-être mon naturel et ma spontanéité, ça... A le trouvé. discours, c'était quoi C'était que, Quels sont les mots que tu as réussi à trouver un peu pour, pour convaincre l'audience Alors, j'ai parlé de, de mon complexe par rapport à ma taille. Parce que c'est vrai que j'ai été longtemps complexée et j'ai pris du temps à l'accepter. Donc, euh, donc le fait d'avoir été sur cette scène, ça a peut-être touché des gens. Après, je me suis présentée, j'ai dit, euh, dit ce qui me représentait moi, les valeurs que je défendais. Peut-être que ça a dû aussi, euh, ça a dû aussi euh, toucher des gens et peut-être que certains ont su se reconnaître. Alors complexe, parce qu'on ne le voit peut-être pas forcément à l'image, mais tu es quand même effectivement assez grande, mais... C'est pas forcément le type de complexe, on va dire qu'on a généralement c'est même plutôt bien vu notamment pour des domaines comme le mannequinat ou autre que une femme soit assez grande. Quand on est jeune, au lycée, au collège, souvent euh, moi j'avais la tête qui dépassait sur chaque photo, donc forcément euh, on, on se prend quelques remarques, des critiques et après on prend du temps à accepter cette taille quand on fait 1m80 euh, en, en 5e, 4 c'est pas facile tous les jours mais on apprend à l'accepter. Et à 18 ans, alors comment, comment on vit de faire 1m80 C'est plutôt élégant, ouais, on va dire. <laughs> on s'habitue. Euh, moi, je prends ça comme, euh, comme un atout parce que c'est très rare d'avoir une fille qui fait 1m86 aujourd'hui. Et je pense que ça va aussi permettre à d'autres personnes, peut-être, d'accepter euh, sa taille et ses complexes. Avec euh, ce titre de Miss Ile-de-France, tu succèdes à, à, à Diane Lair euh, est-ce que ça te met une certaine pression de savoir que justement euh, la précédente Miss de france bah, c'est la Miss France actuelle bah forcément la barre est très haute après je pense que c'est que du positif moi je vois ça comme un, un vrai défi à relever parce que forcément euh, le but c'est de faire un petit doublé donc euh, je prends ça comme du positif et puis surtout elle pourra m'apporter beaucoup de conseils qui vont, être, qui vont être très utiles pour moi pendant l'aventure bah justement est-ce qu'elle t'en a déjà donné parce que tu l'as rencontré euh, le jour en... de la cérémonie oui euh, je l'ai rencontrée, elle était très sympa elle m'a prise dans ses bras et puis elle m'a envoyé un petit message euh, ce matin euh, en me disant s'il y a le moindre souci, si tu as une question, tu, tu viens me voir. Et, euh, et voilà, donc ça m'a vraiment rassurée et c'était trop mignon de sa part. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à venir sur, sur cette élection Parce que euh, déjà, est-ce que toi, tu es originaire de Paris à la base Tu as toujours vécu à Paris Alors, j'ai pas toujours vécu à Paris. J'ai vécu à Saint-Germain-en-Laye et j'ai aussi vécu à Boston pendant deux ans. Euh, mais c'est vrai que euh, représenter l'île de France, c'est quand, euh, quand même très, euh, très sympa. Qu'est-ce que tu fais à Boston Mon père, il a été expatrié là-bas. Donc on y est allé avec toute ma famille et j'ai vécu deux ans, puis ensuite je suis retournée vivre en France. Et alors justement Paris, l'île de France, qu'est-ce qu que ça représente Parce que on, on peut considérer que tu es la Miss de la région la plus peuplée de France, donc avec la population la plus importante en France, c'est quand même un titre assez honorable. Bah, je suis très honorée de représenter l'île de France. C'est vrai que ce n'est pas, pas une région minime. Et, euh, et le fait de me retrouver euh, ici, ça montre que l'Île-de-France a su me faire confiance et je vais essayer de, bah, de porter l'Île-de-France le plus loin possible. Moi, Paris, c'est ma ville de cœur. Euh, J'ai vécu là-bas quasiment toute mon enfance, donc euh, c'est cool de représenter cette ville et surtout de représenter l'Île-de-France en général. Alors, il y a autre chose, hein. tu parlais de ta taille, mais il y a autre chose qui peut surprendre, c'est ton âge, parce que 18 oui. ans, c'est quand même assez jeune. Euh, tu le disais aussi, tu es étudiante en, en, en école de commerce. Comment est-ce que... Tu te prépares justement à gérer à la fois tes études et ben, ce nouveau titre de Miss Ile-de-France où ben, tu vas avoir des obligations comme là euh, oui. d'être venue dans les, les studios de voltage bah Forcément, euh, dès le début, je me suis posé la question de comment je vais faire par rapport à mes études. Et euh, j'ai parlé un peu à mon école, donc l'ESCA, ils ont été euh, très conciliants et ils m'ont ils vraiment félicité par rapport à ça. Donc je pense qu'ils sont derrière moi et ils m'aideront à trouver des compromis par rapport à mes études. Donc euh, c'est un très bon point. Est-ce que tu sens que depuis samedi, il y a quelque chose qui a changé, peut-être justement par rapport aux gens qui sont à l'école avec toi ou des, des gens que tu étais amené à croiser d'habitude euh, au quotidien Est-ce que maintenant qu'il y a ce titre de Missile de France qui apparaît au-dessus de ta tête, entre guillemets, euh, ça a changé quelque chose dans le, le rapport aux gens, dans le regard qu'ils ont sur toi bah forcément, il y a des gens qui sont venus me féliciter, donc, euh, donc pour eux ça a dû leur faire un peu bizarre de me voir euh, revenir en cours en ayant euh, l'écharpe domicile de France. Après c'est vrai que moi je me prends pas du tout la tête et pour moi je reste une personne normale comme tout le monde, j'essaye d'être naturelle et euh, et pour moi rien n'a changé. Enfin forcément ça a un peu changé mais en tout cas euh, à l'école euh, je pense que. Et tu débarques pas sur les bancs de avec euh, l'écharpe quand même <laughs> non. là, tu, tu la mets de côté quand c'est oui, les cours. Mets de côté. Et est-ce oui, est que, est que justement le lundi quand t'es arrivé, il euh, y a eu un petit truc enfin, J'imagine que peut-être des amis t'ont félicité, mais oui. est-ce qu'il y a eu un truc un peu particulier bah Forcément, j'ai senti plus de regards, mais, euh, mais je vais m'habituer et puis c'est que le début, donc euh, je vais, vais vivre avec. Mais c'est vrai que euh, tout le monde était hyper bienveillant, j'ai reçu que des félicitations, donc c'était super. Et côté familial, est-ce il euh, y a eu euh, des, des choses... Euh Enfin des, des messages des... il y a sûrement une fête en famille qui a été faite ah bah ils étaient très fiers surtout que bah, je vais représenter quand même la famille à, à Miss France donc euh, donc oui et mon père n'était pas là le jour de l'élection donc euh, quand ma mère l'a appelé euh, euh, toute euh, toute euh, toute joyeuse il comprenait pas et mon père il m'a appelé directement après il était trop content et je sais qu'il va me suivre tout au long de l'aventure. Et comment ils voyaient justement tes parents et ta famille le fait que tu participes à ce concours Parce que Miss France, c'est un peu. Ça passe ou ça casse hein, aux yeux des gens. C'est soit un truc. Euh, les gens ont l'impression que c'est des nunuches qui euh, défilent sur scène. Ou alors un truc euh, hyper important qu'on suit chaque année, justement, souvent en famille. Oui. Là, euh, côté familial, on était comment On percevait ça comment bah Alors moi, avec ma mère et ma sœur, je regarde Miss France euh, tous les bah, toutes les années en fait. Enfin, tous les ans, même avec mon père, on s'amuse à prendre un petit carnet, à noter euh, nos favorites, etc. Donc, euh, c'était un peu quelque chose euh, qu'on faisait déjà euh, euh, avec ma famille euh, tous, les, bah, tous les hivers. Et ensuite, c'est vrai que moi, c'est pas moi qui me suis inscrite à Miss Paris. C'est une de mes amies. Donc, on a vraiment vu ça comme, euh, comme un petit défi et comme. Euh comme une petite blague, une petite aventure à faire. Et c'est vrai que je ne pensais pas aller aussi loin. Donc euh, tous mes proches ont été, euh, ont été assez euh, surpris de, de me voir ici. Qu'est-ce qu qu'elle aime, la nouvelle Missile de France Est-ce que tu as des passions Est-ce que tu fais du, du sport Comment tu occupes tes week-ends En gros, qu'est-ce qui te fait vibrer au, au quotidien Alors, je suis assez sportive. J'ai fait du tennis pendant 12 ans. Euh, donc c'est vraiment euh, un sport qui a rythmé mon quotidien. Ensuite, l'hiver, je fais pas mal de ski alpin euh, dans la région à Chamonix. Euh, donc euh, c'est vrai que c'est des sports que j'apprécie beaucoup. Ensuite le, les sports nautiques l'été, comme le surf, euh, le ski nautique, le wake, j'adore. Donc plutôt des trucs extrêmes. Hein. <laughs> J'aime bien, euh, bien le risque, oui. C'est pour ça aussi que j'ai fait cette aventure, parce que forcément c'est un risque à prendre, mais euh, c'est toujours du plus. Et... Et, et pas du sport collectif alors hein. bah, J'ai fait beaucoup de basket au lycée. Et euh, c'est vrai que euh, bon on m'a souvent posé la question est-ce que tu fais du basket dans la rue parce que j'étais grande et euh, c'est vrai que les sports collectifs c'est hyper intéressant aussi ça permet de faire des rencontres et puis le tennis même si on joue pas même si on joue pas avec euh, avec euh, pas mal de personnes on peut jouer en duo et puis euh, c'est surtout euh, un sport qui nous fait quand même euh, rencontrer des gens parce que forcément euh, moi j'ai fait des cours où on était en cours collectif donc euh, ça nous fait des belles rencontres et puis après euh, il suffit de trouver quelqu'un avec qui jouer et et bah ça commence quoi alors en tant que Missile de France, on va aussi te, te retrouver peut-être au Parc des Princes, euh, à Charletti. <laughs> tu es prête à, ah, à découvrir bien. un peu les ambiances des stades à Paris ah bah Moi j'adore le foot, donc euh, ça serait un, un véritable honneur de, de, faire partie, euh, de faire partie du Parc des Princes. Et c'est vrai que j'aime bien suivre les matchs, bah, la Coupe du Monde, on l'attend je pense tous avec impatience, et, euh, et ça, serait, ça serait top. Et, alors, et les week-ends, comment ça se passe Est-ce que là, en tant que Miss, maintenant, on va être beaucoup plus sage Ou est-ce que tu avais l'habitude d'aller un peu dans les boîtes parisiennes Et euh, bon, là, on, tu vas te calmer justement bah. avec ce, ce nouveau titre bah, J'étais un peu festive, je pense, comme, tous les, comme toutes les filles, de, et, les filles et, les, et les garçons de 18 ans, c'est normal. Après, euh, forcément, on essaie de se calmer un peu avec, euh, avec cette, cette élection. On a une image à tenir quand même, il ne faut pas oublier. Et, euh, et, et donc, forcément, on continue à sortir, mais on fait attention. Et euh, le week-end, moi j'aime bien aussi euh, être un peu chez moi, euh, rester, euh, rester euh, tranquille avec euh, mon petit plaid, un petit film de Noël, un petit chocolat chaud. Donc vraiment, c'est souvent deux salles, deux ambiances. Alors parmi les critères euh, qu'il y a pour euh, être Miss, il y a aussi euh, le célibat. Est-ce que c'est est -ce est le cas Est-ce que, est que la Miss île de france est vraiment célibataire Non, non, les critères, euh, ils ont changé maintenant. On ah. peut, euh, oui, on peut être en couple. Euh, bah, moi, j'ai été accompagnée par euh, mon copain qui se trouve <laughs> juste à côté. <laughs> donc non, non, ça fait depuis six mois que euh, je suis en couple. On est, on est sur une musicale avec Voltage, donc on va parler musique. Est-ce qu'il y a des musiques en ce moment, euh, justement, que tu aimes beaucoup, que tu te mets en boucle Si voilà, il euh, y a quelques titres, quelques artistes que tu recommander alors moi il y a une artiste que j'apprécie depuis que je suis toute petite, c'est Adele. Euh, notamment avec la chanson euh, Someone Like You, je l'écoute euh, depuis que je suis toute petite. Et... Ça tombe bien, on la passe donc. Euh... <laughs> non mais je peux l'écouter en boucle et, euh, et, euh, et je m'en lâche jamais, mais sinon j'aime beaucoup Mika aussi. niveau musical, euh, j'ai un style vraiment varié, j'écoute de tout, donc euh, je pourrais vous proposer des titres, mais je pense que tout me va. <laughs> Plutôt pop, pas forcément le rock, pas forcément le rap, euh, vraiment... Si, euh... du pop, rap, tout ça. Euh... Enfin, j'écoute vraiment de tout, même du classique. Parfois, j'écoute du piano chez moi. Donc... Et alors, les, les prochaines étapes, c'est quoi Parce que là, maintenant que tu es rentrée dans la grande famille Miss France avec l'élection le, le, qui va avoir lieu en décembre, tu as des rendez-vous qui sont attendus. C'est quoi les prochains rendez-vous Et bien là, dans quelques jours, euh, je vais pouvoir commencer mon portrait, pour, euh, mon portrait officiel pour Miss France. Et ensuite, euh, le 18 novembre, je m'envole en Guadeloupe avec euh, les 29 autres candidates. Ça, c'est des vacances sympas. Hein. Des vacances sympas, mais il y a quand même un <laughs> peu de, de travail à faire. Et ensuite, c'est entraînement pendant trois semaines jusqu'aux élections le 17 décembre et bon on a déjà vu beaucoup de Miss euh, après le sacre Miss Ile de france ou Miss France faire de la télé ou de la radio donc euh, on t'attend à la rentrée prochaine sur Voltage <laughs> c'est ça là on, on prépare bah oui, le contrat être, déjà oui. ouais. bah merci et merci puis euh, bon courage alors euh, pour l'élection de Miss bah, France merci. on croise les doigts et... on se revoit le 17 décembre ouais. et à on... la télé et bah exactement et puis on, on dit à tous nos auditeurs de, de te soutenir alors euh, le, mm -hmm. le soir euh, le fameux ah bah, soir il faudra du soutien <laughs> super bah merci Adèle merci à bientôt merci beaucoup au revoir Voltage, la radio parisienne.